Pourquoi tu parles jamais du tawhid? Qui a dit que je parlais jamais du tawhid? C'est quoi le tawhid pour vous? Le tawhid, c'est quoi? Je me pose la question parce qu'il y a des gens, ils ont fait du tawhid une case. Comprenez pas que le tawhid, c'est toute notre religion. On vit pour la ilaha illallah, on meurt pour la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est notre vie. La ilaha illallah, c'est l'existence, c'est la raison de notre existence. Le tawhid, c'est la base de notre vie. Quand j'ai parlé de din, là, depuis le début du live, j'ai parlé de tawhid. Quand j'ai parlé de tawakkul, j'ai parlé de tawhid. J'ai parlé de foi, d'augmenter la foi, j'ai parlé de tawhid. J'ai parlé même de tawhid précédemment quand la personne me disait est-ce qu'avoir du waswas dans sa foi, c'est du tawhid. Pour vous, le tawhid, c'est juste une case. Il faut cocher le mot tawhid. Ça y est, j'ai dit tawhid, rububiyya, uluhiyya, asma, sifat, c'est bon, j'ai parlé de tawhid. Mashallah. J'ai validé. Il m'a fallu 10 secondes pour rentrer dans le cercle, c'est bon. Maintenant, c'est bon, je suis mouahid, mashallah, je parle de tawhid. On parle de tawhid toute notre vie. Toute notre vie, on parle de tawhid. Tout ce qu'on fait là, on parle de tawhid. Quand on dit subhanallah, on parle de tawhid. Quand on dit alhamdulillah, on parle de tawhid. Quand on dit la ilaha illallah, on parle de tawhid. Quand on dit Allahu akbar, on parle de tawhid. Toute notre vie, elle est tournée autour du tawhid. Nos journées, elles sont consacrées à enseigner le tawhid dans toutes ses formes. Et la personne, elle vient derrière, elle dit pourquoi tu parles pas de tawhid? Asbah al khair. C'est quoi le tawhid pour toi? Il faut que je dise le mot, c'est pour ça. Toutes les adorations, c'est tawhid. Salat, c'est tawhid. Siyam, c'est tawhid. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Quand vous n'avez pas fait ça dans trois fondements, dis ma prière, mes actes, mes rites, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des univers. C'est pas tawhid ça? Ça c'est pas tawhid? Allah Azza wa Jalla n'a pas dit tawhid dans le verset. D'ailleurs le mot tawhid il n'existe pas dans le Coran. C'est Allah Azza wa Jalla, il a pas parlé de tawhid dans le Coran. Je sais, oui, Zama, je sais que c'est pas un argument. Je suis pas en train de dire que tawhid ça existe pas. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, pardon. Je suis pas en train de dire que le tawhid n'existe pas. Le tawhid c'est un fondement de notre dîn, etc. Mais pour vous dire que le mot tawhid il n'est pas cité dans le Coran. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a dans le Coran c'est du tawhid. Tout ce qu'il y a dans le Coran c'est du tawhid. Quand Allah Azza wa Jalla parle l'iman, c'est du tawhid. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'iman billah, l'iman bil malaika, l'iman bil kutub, c'est du tawhid. Tout cela, c'est du tawhid. Vous voyez, donc juste, j'ai pas dit tawhid, ça veut dire que je parle jamais de tawhid. On parle tout le temps de tawhid, on parle tout le temps d'aqida, on parle tout le temps d'iman billah, on parle tout le temps des noms d'Allah, on parle tout le temps des attributs d'Allah. Tout cela, c'est du tawhid.